Demain, tu vas voir pas. Demain, tu vas voir papa. Tu vas voir papa? Demain. Demain. Tu vas voir qui demain? Demain, tu vas voir qui? Papa. Je vous mettrai cette story demain quand je serai déjà allée. J'ai la boule au ventre, mais vraiment, genre, j'ai le stress. Je sais pas pourquoi j'ai un stress. Je suis excitée et trop heureuse. J'ai un stress. Je suis en train de défaire tout le sac de mon mari parce qu'en fait, à la base, il était à Nice. Et à Nice, on m'avait pas parlé de liste. Sauf que là, il y a une liste pour les vêtements que j'ai imprimés. Et du coup, déjà, le peignoir, là où il est, ils le prennent pas. Donc. Je vais tout laver sans trop. Donc du coup je le garde s'il sera transféré encore dans une autre qui acceptera les baignoires ou pas. Du coup j'avais mis plein de trucs et tout. Et je suis en train de tout enlever et de compter ce que je mets. Voilà, parce que je peux pas tout mettre. J'avais mis plein de trucs. Et en fait, il n'y a rien qui va rentrer. Puisque là-bas il y a une liste et je dois respecter la liste. Voilà les filles. Comment vous dire que je suis dégoûtée puisque j'avais acheté plein de trucs. Je lui avais fait un méchant sac. Par exemple, j'avais pris des gants de musculation. Et là, c'est paire de gants laine uniquement, pas de gants de musculation. Donc cela, ça va aller avec le peignoir. J'avais tout préparé. J'avais fait un méchant sac à mon mari. Vraiment, regardez, j'enlève tout. Je suis dégoûtée. Mais dégoûtée. Je sais. Ils vont pas. C'est à la liste, donc je vais suivre la liste, quoi. Voilà, on verra demain si j'ai fait les choses bien. Enfin, du coup, vous allez voir le jour J. Mais j'ai la boule au ventre, Je vais tout laver. En plus, ça fait tellement longtemps que je l'avais lavé, puisque je devais avoir mon parloir la dernière fois à Nice, que j'avais trop peur que l'odeur de la lessive elle soit partie, les filles. Donc là je vide tout. Je lui ai mis un autre sac s'il veut me faire un sac. J'ai mis un autre sac pour qu'il me donne lui du sale. Voilà, il va m'en donner, mais voilà, j'ai mis des petites lingettes souplines pour que ça sente bon. On la sent encore. Enfin voilà quoi. Je suis deg. Donc je vais faire la liste. Et écrire à la liste, cocher. Voilà. Les poupettes, elles dorment. Je suis stressée. J'ai peur de pas me réveiller, les filles. Vous pouvez même pas savoir. Genre, j'ai envie de pas dormir pour me réveiller. Tellement je suis excitée. Déjà, je vais pas me coucher tôt. Et de deux, j'ai peur d'être en retard parce que je dois me lever très tôt parce qu'il y a beaucoup de routes. Donc, les filles, vous avez bien compris que les poupettes, elles vont pas à l'école. En fait, la dame, quand elle m'a donné le jour, j'ai dit oui. J'ai pris le premier qu'elle m'a dit. Parce que j'en peux plus. J'ai pas vu mon mari depuis le 4. J'ai envie de le voir, j'ai envie de le serrer dans mes bras. Et même les petites, voir leur père et tout. Donc j'ai pris le premier jour qu'elle m'a dit. Je suis trop excitée les filles, j'ai le stress. J'ai acheté des CD. Mais là, il y a écrit pas de coffret. Sous blister, ils sont sous blister, mais il y a écrit pas de coffret, évidemment. J'avais pris, c'est un coffret ça. On va voir. Bon, il est neuf, hein. J'ai la facture et tout. Donc, bon, on va voir. J'espère. Mon mari. Mais bon, il y a des trucs que je ne mets pas. Par exemple, trois torchons. Il m'avait dit qu'il n'en avait pas besoin. Donc, je ne vais pas lui mettre de torchons. Je vais lui en mettre peut-être un. Et encore, il m'avait dit non. Bon, c'était à Nice. Donc, du coup, peut-être que là, il en aura besoin. Mais à Nice, on en avait mis déjà dans son premier sac. Il y a écrit quoi ? Que je vais pas mettre chemise, il y a écrit trois chemises, mon mari met pas de chemise, donc je vais essayer de mettre autre chose, voir, je sais pas comment ça se passe. C'est pas les filles, si par exemple je mets pas trois chemises, puisque mon mari je vais lui mettre zéro chemise, il en met pas, donc est-ce que du coup je peux remplacer, vous pensez, par trois t-shirts ou trois pulls? Je vais les mettre et je vais voir, mais le problème c'est que j'ai peur qu'il m'enlève des trucs que je veux pas qu'il m'enlève, quoi. Je sais pas comment ça se passe en fait. C'est la première fois, donc je sais pas si par exemple, vu qu'il met pas trois chemises, est-ce que je peux mettre trois t-shirts en plus à la place? Ou est-ce que c'est vraiment trois chemises? Et si j'ai pas de chemise, j'en mets pas. Je sais pas. Par exemple, gants de toilette.
pas de fleurs de douche, c'est écrit. Mais mon mari, il veut pas de gants de toilette. Donc je vais pas en mettre. Peut-être que je peux mettre trois autres trucs à la place. Je sais pas. On verra. Bon, c'est que des vêtements, hein, mais bon. Ça, ils sont un peu relous avec les vêtements. J'ai la vérité, à Nice, c'était quand même plus cool. On pouvait le peignoir. Enfin, plus cool déjà au niveau des vêtements. Là, tu peux même pas mettre de doudoune. Donc, je sais pas ce qu'ils appellent doudoune. Peut-être c'est genre Canada Goose, les grosses, grosses doudounes. Mais il fait moins 15. Il met quoi, en fait, un tricot, il va dehors. Donc, il y a écrit pas de grosses doudounes. Donc, j'ai pris une petite doudoune fine. J'avais pris H&M, je vous avais dit la dernière fois. Donc, normalement, ça devrait aller. Hein. Je vois pas qu'est-ce que ça peut être d'autre, sinon, si on peut mettre ça. Mais quoi, en fait. Donc, on verra. Il y a même pas écrit gilet ou quoi. C'est un blouson sans capuche. Pas de gilet, rien. En fait, il devrait faire, je pense, une liste été. Parce que là, par exemple, il y a écrit de pantalons ou pantacourt. Donc, évidemment, ce sera des pantalons puisqu'on est en hiver. Mais je pense qu'il devrait faire une liste été, une liste hiver. Et au choix, par exemple, trois chemises ou machin. Parce que trois chemises, mon mari, il n'en met pas. Donc, s'il n'en met pas, est-ce que je peux remplacer par autre chose, quoi? Je vais peut-être les mettre de côté et je vais demander demain avant de les mettre dans le sac. Je vais leur expliquer que je mets pas trois chemises. Est-ce que je peux remplacer par ça? Je vais mettre un petit truc à côté. Genre trois t-shirts en plus. On verra s'ils sont sympas ou s'ils sont pas sympas. J'espère qu'ils sont sympas. Je suis en train de préparer son sac. Je suis trop contente parce que c'est moi qui les prépare. Et vraiment, j'avais tout fait bien. J'avais tout plié. J'avais tout lavé. Ça sent bon. J'ai envie qu'il sente mon odeur. Le t-shirt avec lequel je dors, je crois que je vais lui mettre. Mais bon, ça va compter comme un t-shirt. Je vais même pas lui mettre, le pauvre, sinon il aura un t-shirt en moins. Mon amour, j'ai envie d'être avec lui. Je vous jure, les filles. J'ai envie de pleurer. J'ai le stress et l'excitation en même temps. C'est trop bizarre. Allez, je fais le sac. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous explique. Ce matin, je me suis changée 36 000 fois. Donc, toutes les femmes qui vont voir leur mari, elles doivent se reconnaître dans ma story. Peut-être parce que c'est la première fois. Après, je vais m'habiller à l'arrache. Mais du coup, ce matin, je me suis mis... au début, je me suis habillée. Après, je me suis dit non, ça va pas. Je me suis changée. C'est à 5h du matin, j'étais éclatée, vraiment fatiguée. En plus, je vous ai dit hier, du coup, je me suis couchée tard. J'avais peur de pas me réveiller. J'avais trop peur. Bon, à la finale, je me suis réveillée à l'heure. Et en fait, vous savez ce que j'ai fait, les filles? J'ai changé la sonnerie de mon réveil. Parce que je vous avais dit que, en fait, je mettais tout le temps, tous les jours, pour emmener les petites à l'école, le réveil à 6h20. Et je me réveille. En fait, les filles, je vous disais, je... C'est ça, mon amour, attendez. Parce que Joy, il est avec l'iPad. Et en fait, les filles, je me les mets tous les jours à 6h20. Et j'arrive, c'est là, c'est ça, sans dormir la voiture, là, elle est dans le lit. Et en fait, je me réveille tous les jours à 7h. Je comprends pourquoi. Pourtant, je les réveille, mais je l'entends plus. Et en fait, c'est parce que peut-être que mon cerveau, il a pris l'habitude, il fallait quelque chose de costaud pour me réveiller. Donc, bon, bref, du coup, les filles, j'ai mis un autre réveil. Et je me suis dit, comme ça, je me réveille, quoi. J'avais trop peur d'être en retard. Donc, je me suis réveillée à 5h, partir les petites et tout. Voilà, mais bon, c'est pas grave, j'étais tellement heureuse d'aller voir mon mari. Je vais essayer de me poser pour bien vous expliquer ce que j'ai ressenti, ma sensation, les filles, c'était... c'est chaud. D'ailleurs, il y a deux filles super gentilles, peut-être qu'elles verront mes stories, peut-être pas, mais qui m'ont aidée. Parce que je vous explique pas la galère, les filles. Je vous explique, les filles. Bon, déjà, on va commencer par le commencement. Donc, ok, je vais voir mon mari et tout, machin. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Déjà, sur la route, j'avais le cœur. Pour vous donner une sensation. Comme si j'allais faire un manège à sensation forte. Genre, j'avais le cœur, j'avais des pressions dans mon cœur, j'avais la boule au ventre, genre vraiment la boule au ventre. Comme si j'allais faire un manège, un grand 8, un truc de fou avec des loopings et tout. Tu sais, quand t'as la peur, j'avais la peur. Enfin, la peur. J'avais, je sais pas comment vous expliquer, j'étais angoissée, mais j'étais trop contente. C'était vraiment bizarre. Bon, bref, déjà, j'arrive là-bas et tout, ok. J'ai une amie à moi qui m'a accompagnée. Franchement, elle a assuré grave parce que bah, c'était le premier, donc je connaissais pas l'endroit. Je savais pas trop comment ça fonctionnait et tout. On m'avait déjà expliqué un peu, mais bon, voilà, tu sais jamais vraiment trop tant que tu le vis, quoi. Et je vous avais dit que j'avais demandé par rapport à la poussette qui m'avait refusé, alors qu'Anis il m'avait accepté.
Donc là, il m'avait déjà dit non, donc je savais à l'avance que c'était. Vous avez dit qu'elle m'avait dit qu'il y avait une chaise, un fauteuil roulant pour adultes, et donc que je pourrais mettre ma fille dedans. Donc quand j'arrive ce matin, je demande au gardien là, surveillant, et il me dit ouais, peut-être, je sais pas. Je dis mais ma fille elle marche pas, on m'a dit qu'on vous avait prévenu. Il me dit, je dis ma fille elle est handicapée, elle marche pas, je peux pas la mettre debout, elle tient pas. Elle est handicapée. Et en plus, j'avais la carte handicapée de Joy, puis tous les dossiers que j'ai tout le dossier, quoi. J'ai 60 pages de dossier MDPH, donc. Puis voilà, quoi. Et il m'a dit, bah, vous pouvez pas la porter ? Bah non, en fait, j'ai Joy qui fait plus de 12 kilos, donc elle pèse, elle commence à peser son poids. J'ai Charlie que je dois tenir la main parce qu'elle marche, mais elle va de partout. Et j'ai le gros sac à bas de mon mari, donc je veux bien, mais je peux pas. Bon, bref, donc à la finale. Après t'attends, nanana. Après ils m'ont donné la chaise, donc c'était bien, j'ai pu mettre Joy dedans et la pousser du coup. Je vous avoue, ça m'a... parce que c'est la première fois de ma vie que je mets ma fille dans un fauteuil et genre c'est vraiment mon angoisse. J'ai mal au cœur de mettre ma fille dans un fauteuil roulant, mais bon, j'ai pas le choix parce qu'ils veulent pas la poussette et voilà. En plus c'était une fauteuil d'adulte, donc je me suis imaginé peut-être Joy plus tard dedans, enfin bref. Moi pousser ma fille dans un fauteuil, enfin c'était horrible, mais bon. Voilà, il va falloir que je m'habitue parce qu'à chaque fois que je viendrai avec les enfants, du coup, bah, j'aurai le fauteuil de la prison. Bon, bref, on va passer cette étape, les filles. Et bah, après, voilà, on a vu, j'ai vu mon mari, j'étais contente. Ça m'a fait du bien, mais ça m'a fait bizarre, les filles. Ça fait depuis le 4 que je l'ai pas vu, ça fait presque un mois que je l'ai pas serré contre moi, que je l'ai pas fait un bisou, que j'ai pas senti sa peau, que j'ai pas senti son odeur. Que tout, je l'ai pas touché, je regardais les mains, je regardais tout. Il a maigri, je vous jure, il a maigri. Je lui dis, t'as maigri, il a grave maigri. Il a le visage tout fin. Ben, il était pas gros, quoi, mais il a maigri. Depuis le 4, en même pas un mois, il a grave maigri. Il a les cheveux qui ont poussé. C'est dur, hein. Franchement, c'est dur. C'est vraiment dur. Mais bon. Là, je l'ai vu. Donc après, ben, évidemment, quand il est rentré, déjà Charlie est sauté au plafond. Je faisais que lui dire, on va voir papa. Donc elle était trop heureuse. Moi, j'ai pleuré quand il est rentré. Il m'a dit, pourquoi tu pleures ? Je l'ai vu, ça m'a fait, pas un choc, mais ça m'a fait vraiment bizarre. Et bon, après, j'ai arrêté de pleurer. Je voulais qu'on profite. Je n'ai pas passé 45 ans. Mais ça m'a fait vraiment bizarre. Et bon, après, j'ai arrêté de pleurer, je voulais qu'on profite, j'allais pas passer 45 minutes à pleurer, donc j'ai pleuré au début quand je l'ai vu, et après, on a parlé un peu de tout, de rien, les petites et tout, et c'était contente. Charlie, elle était trop, trop heureuse. Et en plus, j'avais pas de montre, les filles, et en fait, on savait même pas l'heure qu'il était, donc j'avais pas quand ça se finissait. Donc voilà, après, ça s'est arrêté, donc c'était fini. Et puis j'ai encore pleuré. Du coup, il est parti, j'ai pleuré. En plus, j'avais les petites qui te laissent dans la pièce encore, genre 2 minutes. Mais du coup, Charlie, elle était là, elle était excitée. Moi, j'étais là, Charlie, je pleurais. Il y a 2 filles qui m'ont aidé, super sympa. Après, à porter le sac, parce qu'en fait, j'avais. Il y a des trucs qui sont pas rentrés, les filles, j'ai pas compris ce qu'ils m'ont. En fait, c'était 7 caleçons ou short, vu que j'avais mis un short à mon mari, ils m'ont enlevé des caleçons, enfin bref. J'ai même pas envie de parler de ça parce que d'un côté je me dis peut-être qu'à moi ils sont hyper sévères parce que peut-être qu'ils me regardent sur Snap et ils vont se dire ah elle va dire qu'on est gentil ou quoi, donc ça j'en parlerai même pas de ce qui rentre pas. Donc bon bref, j'ai dû récupérer ce qui était pas rentré, du coup même les CD, les filles, j'avais acheté 3 CD, je vous avais dit, un c'est un coffret, les autres c'était pas des coffrets, quoi, je vous montrerai. Et en fait le monsieur, je lui dis excusez-moi mais les autres c'est pas des coffrets, et il était d'ailleurs très cool. Je veux pas dire qu'il était très cool parce que peut-être qu'il va se faire engueuler, quoi. Il était gentil, il était pas aigri, vous savez. Mais je pense que déjà travailler en prison, ça doit pas être facile tous les jours. Et en tout cas, on n'a pas échangé beaucoup, mais quand je lui dis, je pense que vous êtes trompé, les CD et tout. Et comme je vous dis, je suis toujours respectueuse et tout. Du moment que les gens ils sont respectueux, je suis respectueuse. Et le monsieur, il était voilà, très sympa, très respectueux. Il m'a pas manqué de respect, il m'a pas pris de haut. Et ça, j'aime bien les gens qui te considèrent normalement, quoi. Pas ils se prennent pour. Et il était vraiment respectueux. Et donc, bon, j'ai pas insisté, c'est pas grave, j'irai. Je vais essayer de retourner à la FNAC et de les faire échanger, parce que du coup, j'ai jeté le ticket. Et je vais jamais rien faire des CD. Donc, je vais essayer de voir si je peux pas acheter juste. En fait, il faut un single, quoi. Enfin, il faut un CD où il y a 15 CD.
Et en fait, moi, dans les trois paquets, il y en a un, c'était un coffret, il y avait un poster. Et dans les deux autres, il y avait deux CD. Je savais pas. Donc, bon, voilà. Bref. Donc, ça, tout ce qui rentre et rentre pas, ça, je vous en parlerai jamais, les filles, comme ça, au moins, pas de problème. Et voilà, les filles. Et puis, il y a deux filles, deux femmes, qui étaient au parleur aussi avec moi. Elles ont été super gentilles. Elles m'ont aidé à prendre, du coup, ben, le sac qui était pas rentré. Enfin, j'avais mis dans un sac, du coup. Et elles m'ont aidé aussi à prendre le sac de linge de mon mari qui pesait 3 tonnes et demi, le sac sale, parce que j'avais le fauteuil roulant de ma fille, j'avais Charlie, j'avais le sac, le petit sac, mais bon, c'était un cabas, j'avais mis dedans tout ce qui n'était pas rentré, et j'avais le gros sac de linge, donc j'avais deux gros sacs cabas, le fauteuil roulant, et j'ai Charlie, je peux pas, j'ai pas six bras, j'ai deux bras, et vu que le fauteuil, je le pousse à une main, bah j'ai qu'une main de libre, et j'avais Charlie, donc les filles, elles m'ont aidé, elles ont vraiment été super sympas. Et voilà quoi, les filles. Après, je suis rentrée dans la voiture, je me suis encore effondrée, mais effondrée. Parce que quand il est parti, j'ai pleuré, mais voilà, j'ai juste pleuré. Dans la voiture, j'ai vraiment pleuré, pleuré. Je conduisais, je voyais plus la route et tout, tellement j'avais les yeux remplis de larmes. Oh. Et comme je vous disais, les filles, heureusement, j'avais mon amie avec moi. Et ça m'a vraiment fait du bien parce qu'elle m'a dit le premier parloir, c'est pas bien. Tu fais la route, le retour. Et j'avais cette sensation de genre, je le laisse là-bas enfermé. J'avais envie de dire, viens ma vie, on rentre à la maison. J'avais envie de rentrer, on rentre à la maison, on rentre chez nous. Enfin, c'était dur. Et heureusement qu'elle était là parce qu'elle m'a changé un peu les idées. On a beaucoup parlé sur la route. Mais c'était dur. Même là, je rentre, j'ai envie de chialer. Enfin, voilà quoi. C'est pas facile. Mais bon, ça y est, maintenant, vu que j'ai eu le premier, les filles, je sais que là, j'ai déjà réservé tous mes autres parloirs de toutes les trois semaines là. Qui suivent, donc je sais que je vais le voir bientôt, je sais, j'attends mon prochain jour avec impatience, genre ça y est, là maintenant je me dis vite, j'ai hâte que j'arrive à mon jour où je vais le revoir. Après, c'est un rythme en fait. Là, ce soir, je vais commencer à lui laver les affaires, je vais lui acheter encore des choses, ben ça m'occupera d'aller lui acheter des choses, voilà quoi, ça va me rythmer ma vie, voilà, ça va me rythmer ma vie. Oh mon cœur. Mais ça m'a fait trop du bien, les filles. Fais voir. Qu'est-ce que tu veux? Pas ce dessin animé? Fais là et tu choisis. Dessin comme ça, la chèvre. Là. Attends, Joy. Attendez, les filles, parce que... Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Du coup, je m'étais arrêtée, les filles. Bah, hein, voilà, je vous disais, ça m'a fait trop du bien de le voir. Trop du bien. J'étais trop contente. Les petites étaient trop heureuses. Trop bien. Voilà. Bon, je vais ranger les affaires. Je vous explique. Dans la prison où il est, il n'y a pas de cabine dans la cellule. Donc, à Nice, il m'a appelé genre 6 fois par jour. Donc, ça me faisait trop du bien. En plus, je vous avais dit, il m'appelait tout le temps, mêmes horaires quasiment. Donc, on était hyper réglés et tout. Je savais que je l'avais genre 6 fois dans la journée. Et là où il est, il n'y a pas de cabine dans la cellule. C'est genre dans les couloirs ou en promenade. Donc, là, il m'a rappelé tout à l'heure, là. Mais il ne peut pas m'appeler genre 6 fois par jour, quoi. Ça va être une ou deux fois max. Donc, ça, par contre, ça me tue, quoi. Parce que c'est vrai que quand il m'a appelé et tout, bah en fait c'est comme si que, je vous avais dit, c'est comme si qu'il était en voyage, genre c'est comme si qu'il était en vacances, enfin en vacances mais en voyage, c'est comme s'il était en voyage et on s'est appelé et tout. Là du coup il est plus trop en voyage, les deux fois par jour, une fois ou peut-être deux, hein, je vous ai dit une ça c'est sûr, mais peut-être deux, mais bon on part sur une quoi, donc c'est rien. Genre je me dis je vais l'avoir au téléphone et après j'aurai plus. Les filles, j'ai acheté des petits trucs à Action. Je vous ai même pas filmé. Je suis partie à Action du coup avec ma copine. Du coup j'ai acheté ça pour mettre genre les produits ménagers. Juste, vous savez, les ranger comme ça. Ensuite j'ai pris cette petite boîte. En fait je voulais des petites boîtes pour ranger mon maquillage, mais j'ai pas trouvé. J'ai trouvé que des boîtes comme ça, mais je voulais pas avec ces trucs noirs là. Je voulais des boîtes en plastique tout ça, mais j'ai pas trouvé, ou des très profondes et tout, c'est pas ce que je voulais. Ça j'ai pris pour mettre les plâtres, les filles, des petites. Comme ça, c'est bien fermé. Et bien rangé. Donc ça j'ai pris pour ranger les petits feutres. Vous savez, vu qu'hier j'ai trié. Vite, attendez les filles. Attendez, ça c'est nos passeports et tout le truc. Ça c'est pour le poké, faut que je commande des trucs. J'ai pris ça
Pourquoi j'ai pris ça déjà? Qu'est-ce que je vais mettre dedans? Je sais plus, pour ma salle de bain, là, pour aller mettre les trucs de mon mari. Je vais bien lui ranger son côté du placard. Ensuite. Attendez, ça c'était dans ma voiture. C'est où vous faites? C'est un chouchou. Oh mon ange! Elle se réveille! Parce que vous entendez bien qu'il n'y avait pas de chouchou. Je l'ai mise habillée dans son lit. Mon amour! Parce qu'elle s'était endormie dans la voiture et en fait, quand je suis montée à la maison, elle dormait encore. Donc j'ai pas voulu la réveiller, je l'ai mise dans son lit habillée. Mademoiselle vient de se réveiller, pas de bonne humeur. Donc je vais vous laisser, je vais la déshabiller. T'es pas réveillée. Mon amour. Si je vous ai dit, j'ai pris cette petite caisse. Et comme ça, tous les fêtes que j'avais là, je les mets là. Et là, j'en ai d'autres aussi. Ça, je les laisse là parce que je peux pas encore accéder. Et voilà. Moi, ils sont bien rangés. Ça va changer de place. Hein. C'est juste que là, j'attends que la chambre de Joy soit bien faite. Qu'elle ait sa chambre pour tout bien ranger. Là, ensuite, les filles, j'ai pris ces deux plats là. C'était ça. C'était les petits papiers qu'il y avait dedans. J'ai pris un petit comme ça et un plus grand. Vous savez, pour mettre au four, je vous ai dit hier, j'ai galéré. Vous m'avez tout dit, si les filles, vous savez ce que vous m'avez tout dit? Si j'avais une poêle sans manche. Et en fait, non, j'ai que des poêles avec le manche. Mais c'est vrai, j'aurais pas pensé. En fait, c'est une très bonne idée, mais j'ai pas de poêle que le manche se défait. Ensuite, je vous montre ce que j'ai pris. Ma copine, elle m'a dit, parce que je vous ai dit, dimanche, les filles, je fais un live avec mon amie d'ailleurs qui m'a accompagnée là aujourd'hui. Parce qu'elle est conseillère Thermomix. C'est à chaque fois elle que je vous conseille. Elle est top, top, top. Elle est très, très sérieuse et elle connaît très, très bien son métier. Et elle m'a dit, prends ça à Action. Elle est avec moi. Elle m'a dit, ça, c'est bien pour réserver. Des fois, quand tu fais des recettes, tu dois réserver, donc mettre sur le côté. Donc, elle m'a dit, prends ça. Ça coûte rien. Et elle m'a dit, après, en plus, tu sais la quantité. Bref. Donc, j'ai acheté ça. J'ai pris des petits torchons. Voilà. Et ensuite, les filles, j'ai pris ça. La dernière fois, j'étais à l'Action. J'avais kiffé. J'avais pris celui à l'orange pour mes pieds. Là, c'est des masques pour les pieds. J'avais trop, trop aimé. Donc, j'en ai pris plusieurs. J'en ai pris trois à l'orange, trois à la myrtille. Et j'ai pris ça. Ma copine, la Myriam, elle a fait ça. Elle m'a dit que c'est top pour les pieds. Ça exfolie les pieds, les peaux et tout. Donc, ouais, je testerai, je vous dirai. Et qu'est-ce que j'ai pris? Ah, j'ai pris des post-it. Parce que, du coup, ma copine, elle m'a dit... Parce que j'ai même pas envie de vous dire ce qu'ils vont me faire rentrer ou pas rentrer. Donc, bref, elle m'a dit sinon de marquer ce que je mettais dans le sac de mon mari. Parce que j'ai un souci, ils m'ont enlevé plein de trucs. Je comprends pas pourquoi. Ils m'ont enlevé plein de trucs, laissé plein de t-shirts et tout, je comprends pas. Hier, j'ai mis facile, une heure, mais facile, hein. Je vous dis une heure comme ça, à faire le sac de mon mari, à tout calculer, à tout faire bien et tout. Je vous avais dit l'histoire des chemises et tout, et en fait, j'avais mis de côté. Et en fait, du coup, bah, ils m'ont fait rentrer le truc que j'avais mis en plus. Et ils m'ont enlevé d'autres choses. Donc en fait, c'est comme si j'avais rien rentré. Au contraire, ils m'ont enlevé plus de choses qu'autre chose. Donc bref, donc ma copine m'a dit, prends des post-it et tu... Parce que je m'en rappelle plus exactement ce que j'ai mis. Mais je sais que j'ai fait le sac carré, genre, à part, oui, une histoire de slip, là, que le pantalon, il compte, le short, bon, bref. Ça, oui, j'avais pas bien vu. Enfin, j'avais pas compté comme ça, l'histoire. Mais ma copine, elle m'a dit, du coup, sinon, tu marques sur des post-it, comme ça, t'es sûr, quoi. Enfin, bref. Donc, voilà, j'ai pris ça. Et de toute façon, je prendrai le reste au poké, là, les post-it. Ça sert toujours, ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah, j'ai pris ça. Ma copine m'a dit, prends ça, c'est un trop bon. À Action, c'est un truc que tu mets dans le salle de bain, même la voiture et tout. C'est vrai que ça sent grave bon. Voilà, les filles.